un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie. Où tout nous semble permis quand on monte le chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, est-ce que le désir de gagner va séparer les meilleurs amis du monde? La victoire à n'importe quel prix, Fred. Nous avons réussi. Tu parles comme si tu avais déjà gagné. Oui, tu as raison, rien n'est encore joué. Prêt? Je suis heureuse, je trouve que la vie est belle. Je chante mon bonheur à tue-tête. Je suis contente d'avoir deux amis aussi fidèles. Oh, je suis si heureuse parce que c'est la fête. Pas mal, Lily. Et attention, les amis. Si vous me voyez arriver, soyez obéissants. Si je dis sage, restez sage, parce que je suis le grand pacha et que vous êtes juste un cochon et un chat. Arrête, Scoot, ne fatigue pas ta voix. Désolée, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Préparez-vous à écouter la future gagnante de ce charmant petit concours de chant, moi. Tu sais, Carlotta, il y a un proverbe qui dit l'important c'est de participer, non pas de gagner à tout prix. Scoop, je t'ai entendu hurler. J'étais inquiète, j'ai cru que tu étais blessée. Je suis contente de voir que tu vas bien. Non, je ne vais pas bien du tout. Je suis humiliée. Les amis, ce livre sur les chevaux célèbres est vraiment incroyable. Est-ce que vous saviez que l'étalon Palomino, qui s'appelait Gâchette, a longtemps été le cheval le plus célèbre du pays? Il avait une magnifique crinière blanche et il était monté par un cow-boy connu. Ils ont même tourné dans des films ensemble. J'ai une grande nouvelle, cow-boy. Cow-boy? Je vais vous apprendre les bases de ce qu'on appelle l'équitation western. Ah, bonne idée! Je sais que tu adores tout ce qui se rapporte au cow-boy. Ça me passionne. Fred, le grand cow-boy d'Orsland. Oui, il aime les bottes de cow-boy, les chapeaux de cow-boy et les films de cow-boy. Écoutez-moi, nous allons organiser un concours pour choisir celui ou celle qui représentera Orsland au championnat junior. Les championnats juniors. C'est moi qui serai sélectionnée. J'ai toujours détesté les cow-boys. Moi aussi. Il n'y a rien de plus dépassé au monde. C'est nul. La musique. Les vêtements. Et surtout les chapeaux. Non, ne me dis pas qu'on sera obligé de porter un chapeau. Tu peux me dire à quoi sert cette horrible selle? C'est la selle utilisée pour l'équitation western. Elle est plus large et plus lourde. Oh, ils ne sont pas malins, ces cow-boys. Au moins la selle anglaise est plus petite et plus légère. Même moi, je peux la porter. Je suis d'accord, Zoé. Les cow-boys passaient leur journée à cheval. Ils avaient besoin d'une selle très confortable. La selle anglaise, elle, est conçue pour que le cavalier ait un meilleur contact avec le cheval. C'est important. Moi, quand je monte, j'aime être entièrement en contact avec mon cheval. Tu veux bien être proche de ton cheval, sauf quand il s'agit de nettoyer son box? En ce qui me concerne, je ne vais pas participer à ce soi-disant concours, car je préfère l'équitation anglaise. Moi aussi. Je ne porterai jamais un chapeau de cow-boy, je ne veux pas être ridicule. Moi, au contraire, je suis impatiente de commencer. Moi aussi! Je suis tellement énervée que je n'ai pas dormi. Je n'ai pas beaucoup dormi non plus, mais pour une toute autre raison. Tu as un problème, Sarah? Oui, mes parents veulent me prêter un cheval de concours. Ce sera le genre de cheval parfait pour l'équitation western. J'ai cru qu'il s'agissait d'un problème grave. Je ne veux pas être avantagée par rapport à vous trois. Et j'aime tellement Scarlett. En montant un autre cheval, j'aurai l'impression de la trahir. Bien parlé. Tu ne dois pas faire ça. Mais Sarah, tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Allez, accepte ce cheval. Oui, monte ce cheval de toute façon. À Pache et moi, nous serons quand même les plus forts. Parole de champion. Ce sera seulement pour cette compétition.
Oui, au fond de ton cœur, Scarlett sera toujours ta préférée, n'est-ce pas, Scarlett? J'aimerais en être sûre. Je ne sais pas, je trouve cela déloyal. Vous n'avez pas envie de venir vous entraîner? C'est vrai, assez parlé maintenant, on passe à l'action. Dans l'équitation western, l'allure du cheval est différente. Quelqu'un oui, sait... moi, l'allure est plus lente, ça s'appelle le petit trot. C'est exact, regardez Tango. C'est facile, n'oubliez jamais les deux principes de base. Il faut tenir les rênes avec une seule main et il faut rester derrière le cheval. Je parle du sens figuré, bien sûr. J'ai compris ce que tu veux dire. Il ne faut surtout pas que le cheval subisse la pression qu'on exerce. Voilà. Dans l'équitation western, le travail du corps est très important. C'est comme si vous poussiez votre cheval dans la direction voulue. Compris? Allez, à toi, Rosa. Vas-y, Rosa. Allez. Penche-toi plus en avant. Je vais tomber. Allez, les filles. Vas-y, Sarah. Oui, bravo! C'est bien, Marie! Beau travail! Pas mal pour une citadine! Calypso est une jument qui a été élevée pour l'équitation western! Félicitations, Calypso! Tu t'es comportée comme une vraie championne! Je vous préviens, vous allez être étonnés! Lâchez les taureaux, je suis prêt pour le lasso! Pardon, Apache, les deux mains sur les rênes. C'est quand même plus facile. Ça alors, j'aurais bien voulu voir ça. Je vous le répète pour la dernière fois. C'était la faute de Basile. Ne considère pas cela comme un échec. Il faut juste que tu travailles un peu plus dur. Oui, Basile. Pour moi, c'est évident. Tu es toujours le meilleur. Vous avez bien travaillé. Au revoir, à demain. Au revoir, Fred. À demain. À demain. Oh, au fait, je viens d'apprendre que Chris Alter sera l'un des juges le jour du concours. Chris Alter? Le beau Chris? Le chanteur des arcs-en-ciel? Le chanteur de mon groupe préféré? Et le meilleur guitariste du monde? Oui, il paraît qu'il monte un peu. Allez, attends à demain. Attends une minute. Si j'arrive à me qualifier, alors ça veut dire que je vais le voir. Oui, sûrement. On va rencontrer Chris Alter! Il y a un petit problème. Réfléchissez. Un seul d'entre nous va pouvoir le rencontrer. Je vais rencontrer Chris Alter! Sarah n'arrive jamais en retard. J'espère qu'elle va bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un nouveau cheval? Mes parents veulent à tout prix que j'essaie ce cheval pendant quelques jours. Un véritable quarter horse? Spécialement élevé pour l'équitation western. Entraîné depuis qu'il est petit. Tu as de la chance. Félicitations. Tu avais raison, Sarah. En effet, je trouve ça injuste que tu aies un tel avantage pour les qualifications. Oui, je suis d'accord. Allez, Basile, sois bon joueur. Tu devrais plutôt être content pour elle. Hé hey. C'est une rencontre avec Chris Alter qui est en jeu. À la réflexion, je ne suis pas aussi contente que je le croyais pour Sarah. Reste bien centré. N'oublie pas, vous serez noté aussi bien sur la régularité que sur l'attitude. Vas-y, serre-toi de tes deux mains. Je n'ai pas besoin de mes deux mains. Tu en as besoin au moins pour le moment. Allez, on fait une pause. Bravo, Rosa. Tu as peu de chances de te qualifier, mais au moins tu pourras travailler comme clown dans un cirque. Je sais que je vais y arriver. Ce n'est pas gentil de te moquer de moi. Excuse-moi, c'était juste pour s'amuser. Regardez qui arrive. Où est ton nouveau cheval? Je ne pouvais pas monter un autre cheval que Scarlett. Allez, Marie, à ton tour maintenant. Croisez les doigts. Bonne chance, Marie. C'est ça. Bonne chance. Continuez à travailler ainsi, Marie. Et un jour, Calypso et toi, vous serez meilleurs que Tango et moi. Tu entends ça, ma belle? Nous avons réussi! Nous sommes les meilleurs! Pas si vite! Tu parles comme si tu étais déjà qualifiée. C'est vrai,
rien n'est encore joué. Qu'est-ce que vous avez toutes les deux? Nos chevaux ne sont peut-être pas doués pour l'équitation western, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons aucune chance. Rosa, Sarah, soyez bonnes joueuses. Vous devriez être contentes pour elles. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Pardon. Merci. Avec plaisir. La voix n'est particulièrement délicieuse aujourd'hui. Ou alors c'est que je suis d'excellente humeur après ma performance. Pas une faute. Je mangerai même un tas de cailloux avec bon appétit. Je vais t'en chercher si tu veux. Oh non, c'est gentil. Tu sais, Rosa, ce n'est pas très poli de lire quand on est à table tous ensemble. Je vous raconterai bien de quoi parle mon livre, mais vous allez passer votre temps à m'interrompre, comme d'habitude. Je voudrais bien manger en paix, mais vous n'arrêtez pas de parler, comme d'habitude. Nous n'arrêtons pas de parler, nous venons juste de commencer. C'est vrai, Basile. Et je commence à en avoir assez que tu t'en prennes sans arrêt à nous. Et moi, je commence à en avoir plus qu'assez que vous vous liguiez toujours contre moi. Nous ne serions pas contre toi si tu n'étais pas aussi immature. Qui a dit qu'on était contre toi? Je ne suis contre personne. C'est parce que tu ne fais jamais attention aux autres. Tu es toujours plongée dans un livre. Mais enfin, je ne suis pas toujours plongée dans un livre. Sauf quand tu es en train de dormir. Si je fais ça, c'est parce que je préfère plutôt être plongée dans un livre que de me retrouver avec certaines personnes. Ou alors tu préfères lire parce que c'est plus simple pour toi que de parler? Je n'ai aucun problème pour parler aux gens quand j'en ai envie. Je préfère avoir des conversations intéressantes. Toi, tu passes ton temps à dire des bêtises. Moi, au moins, je sais m'amuser. Tu prends toujours tout au sérieux. Tu n'as aucun sens de l'humour. Vous non plus, d'ailleurs. Vous vous êtes beaucoup entraîné ces trois dernières semaines. L'heure des qualifications est arrivée. Que le meilleur gagne. Ou plutôt que le mieux habillé gagne. Grandis un peu, Basile. Grandis un peu, Basile. Je suis content que nous fassions exactement le même parcours. Comme ça, je vais te montrer ce que je sais faire. Arrêtez de vous disputer. Vous énervez, Calypso. C'est moi que tu rends nerveuse, Marie. Tu seras encore plus énervée quand tu auras vu ma reprise. Zoé, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais assister au spectacle. Je crois que je ne vais pas être déçue. Autrement dit, elle espère les voir commettre des erreurs. Et s'ils continuent à se disputer, ils vont sûrement en faire. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Seulement 3 semaines d'entraînement. Oh, ne t'inquiète pas, Fred. Je me suis entraînée seule de mon côté. Dès que j'ai su la nouvelle pour Chris Alter, mes parents ont loué un quarter horse pour moi. Le même cheval que Sarah a refusé de monter. Merci, Sarah. Ça devient intéressant. Quelle menteuse! Tu t'es entraînée tous les jours! Tu m'as dit que tu allais à la bibliothèque. D'ailleurs, je n'en reviens pas que tu m'aies cru. Attends, si tu crois que tu peux arriver comme si de rien n'était et te qualifier, tu te trompes complètement. Désolée. Pepper et moi, nous te réservons une surprise. Chili, Chloé a décidé de participer aux qualifications. Ah oui, nous allons battre tous les autres participants. À ce sujet, juste un petit détail, elle va monter un autre cheval. Quoi? Allez, viens, Pepper, allons leur montrer de quoi on est capable. Bon, très bien. Pour commencer, une petite course. Vous devez guider vos chevaux à travers différents obstacles tout au long du parcours. Le but est de franchir les obstacles avec aisance, assez rapidement, sans pour autant prendre de risques. La première participante à ce parcours d'obstacles sera... Sarah. Sarah doit ouvrir, franchir et refermer cette porte. Elle doit montrer que son cheval lui obéit.
presque, ma belle. Rosa, elle, doit ramasser ce sac de toile. Ça a l'air facile, Scoop. Ah oui, essaie un peu de le faire à cheval. Et Marie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit passer entre les fanions à reculons. Doucement, Calypso. Prends ton temps. Bien joué! Pourquoi Basile fait la même chose que Sarah? Chaque cavalier doit montrer son habileté sur chaque obstacle. Attention, pas de précipitation, Basile. Limoine ne va quand même pas essayer de l'enfiler en pleine course. On dirait qu'elle fait beaucoup mieux qu'essayer. Je n'aurais jamais cru te voir porter un jour une veste pleine de boue. La victoire n'a pas de prix, Fred. Wow, ils m'ont impressionné. Peut-être qu'ils t'ont impressionné, mais tu vas l'être encore plus. Allez, Pepper, à nous de jouer maintenant. Tourne, Pepper. Et maintenant, marche à reculons. Pepper, à reculons. Qu'est-ce que ça veut dire, à reculons? Fais un effort, Pepper. À cause de toi, je suis ridicule. Zoé, ton cheval ne peut pas faire quelque chose qu'il n'a jamais appris. Vous ne vous êtes jamais entraîné à reculer. C'est bon, Pepper, tout va bien. Tout ça, c'est ta faute. En plus, maintenant, regarde, je me suis blessée à la main et ça me fait énormément souffrir. Je ne pourrai même pas finir les qualifications. Oh, pauvre Zoé. Laisse-moi regarder cet horrible bobo. Mais on ne voit rien du tout. Il est sous la peau et ça me fait très mal. Tu savais très bien que j'étais capable de te battre. Alors tu t'es entraînée en cachette. Sois réaliste, Zoé. Tu ne me battrais pas même en t'entraînant pendant un an. Ah oui. Alors rends-moi le CD de Chrysalter que je t'ai prêté. Elles sont vraiment terribles quand elles s'y mettent. Et toi, tu me rendras le Chrysalter dès qu'on rentrera. Je n'ai plus envie de te voir. Je ne rentrerai pas à la maison. Allez, on continue. En avant, Apache! Basile, attends! Qu'est-ce que tu veux faire, me déconcentrer? Non, Basile. Je veux juste te souhaiter bonne chance et te rappeler de garder ta main libre vers le bas du corps. J'ai remarqué que tu l'as montée trop haut à l'entraînement. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? J'ai trouvé que c'était vraiment lamentable de voir Chloé et Zoé se disputer de cette façon. Et je me suis rendu compte que nous faisions exactement la même chose. Nous avons oublié que nous étions amis. Et je ne veux pas qu'on continue à être méchants l'un envers l'autre. Je vous aime comme mes propres frères et sœurs, c'est vrai. Aucun concours hippique ou chanteur de rock ne changera jamais ça, jamais. Tu as raison, Sarah. J'ai du mal à croire qu'on ait pu oublier ça. Notre amitié est plus importante que n'importe quel concours. Même si le premier prix est de rencontrer Chrysalter. Je suis vraiment désolée de t'avoir dit toutes ces horreurs. Ce n'est pas grave, j'ai fait pire. Alors, vous avez décidé d'abandonner? Ce serait une bonne idée. Personne n'abandonnera. Vas-y, Basile! Accroche-toi, montre-leur! Très bien, Basile! Continue! Félicitations! Wouhou! Bravo, Rosa! Magnifique! Voilà ce qui s'appelle des cercles. C'est beau! Fantastique! Tu as vu cette maîtrise? Oh. Wouhou! Bravo! Bon, un peu de silence si vous voulez savoir qui est qualifié. Grâce à sa performance aussi impeccable qu'inattendue, la gagnante est... Chloé Roquefort. Wouhou, génial! Bien joué, Chloé! Tu l'as mérité! Tu as été fantastique! Mais où est-ce qu'ils s'en vont? Ça vous plairait d'écouter le dernier CD de Chrysalter? Très bonne idée! Il faut qu'on se contente de l'écouter puisqu'on ne le rencontrera jamais! Comment s'est passé le concours? J'ai perdu. Oh, Chloé,
suis désolée pour toi. Ce que nous avons vraiment envie de savoir, c'est... Est-ce que tu as rencontré Chrysalter? Est-ce qu'il est gentil? Oh, les amis, une véritable catastrophe. Premièrement, sa petite amie était là. Et il est si vieux. Il a au moins 30 ans. En plus, en l'honneur du concours western, il a joué un morceau de country, c'était horrible. Mais enfin, pourquoi tu n'es pas contente? Eh oui, nous on adore la musique country. Eh, si on écoutait un morceau... Non. J'ai bien l'impression que Chloé aime autant la musique country que toi tu aimes l'eau, Carlotta. C'est vrai que je déteste l'eau, mais croyez-moi, j'adore la musique country. Écoutez... Je suis seule comme un cheval égaré dans la forêt, seule, seule comme un peintre sans son pinceau. Tu sais, Scoop, j'adore écouter des chansons, mais ce que chante Carlotta, c'est insupportable. Tu as bien raison. Oh non, non, Fillon, j'ai mal aux oreilles. Je n'arrive plus à le supporter. Nous non plus, silence. Quelqu'un veut bien appeler un vétérinaire.